Salut à toutes et à tous, c'est le Petit Saucisse et on se retrouve pour la suite de nos aventures pour le mois de carrière de l'Athletic Bilbao. Allons aujourd'hui la suite de cette carrière avec trois nouveaux matchs comme d'habitude. Pas des moindres, on commence par le Bayern, 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, le match face à Eibar et un match face au Rayo Vallecano. Et on s'arrêtera là pour la fois suivante. Alors, Yemer recoule un petit peu. Voilà. On va pouvoir commencer l'épisode. Alors, donc, bah c'est parti. Hein, voilà. Allez. Sans pression. Tranquille. On va essayer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Ça va être très, 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 très dur. Il est encore blessé, Paco? Encore un peu, ça a été aussi, la porte aussi. On a eu beaucoup de blessés. On a le retour de Bennat et j'en ai vraiment besoin. Bah sinon, ouais, Moyen, quand même. Merci. Voilà. Allez, on est parti. C'est parti pour Bayern Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Oh, c'est passé le. Hein? Je suis jamais sorti, mais c'est pas grave. Chacun son tour, tiens. Allez, le corner pour nous. Iraola la frappe! Oh, elle a été contrée! Ah, il y a eu un début de cafouillage, mais Neuer a mis l'eau là. Quoi? Mais quoi? J'ai fait quoi? Et y a rien, ils se sont entrechoqués tous les deux? Ras-le-bol des arbitres de merde. Ras-le-bol. Bien joué, Panenka. Mais il n'y a jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty. Mais bon. On va rien dire de plus parce qu'on me dit que je me plains. Bah voilà. Ouais, je me plains d'avoir des arbitres de merde. Je sais pas, c'est. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal de trouver que les arbitres sont nuls. Ils sont nuls dans ce jeu. Nuls! C'est pas des arbitres, hein. Enfin bon. 1-0 qui n'est pas mérité, mais c'est reparti quand même. Ouais, mi-temps dégueulasse, un but qui n'aurait jamais dû arriver. Et normalement, pour moi, il y a 0-0. Je suis désolé. Faut arrêter de dire que je me plains. Là, vous avez eu la preuve en image. Il n'y a jamais pénalty. Ils s'entrechoquent sans faire exprès. Ils se tapent tous les deux dedans. C'est des chocs normaux. Je vois pas où il y a pénalty. Enfin bon, de toute façon on peut rien faire, l'arbitre il est pourri, mais bon, on peut rien dire, hein, c'est comme ça. C'est le jeu, hein. Allez, on y va, on y retourne. Oh, il était devant. Est-ce pas grave? Ah oui. Bennat! Ça aurait mérité de rentrer. Ça aurait mérité de rentrer. C'est dégueulasse. J'arrive même pas à parler. C'est dégueulasse. Voilà, ça y est. Quand on articule, ça va mieux. Raola, oui. Oui? Mais non! De Marcos la frappe? Contré. Non mérité. Je suis désolé, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty. Voilà. Donc, normalement, il y a 0-0. Il y a eu une injustice. Oh, regardez, regardez. Même les stats, elles parlent toutes seules. Il aurait dû avoir 0-0. Elles parlent toutes seules, les stats. 0-0, pas 1. Je suis désolé, il n'y a jamais péno. Mais bon, de toute façon, dans ce jeu, ça sert à rien de se plaindre. Puisque l'arbitre, quand il a décidé de te niquer, il te nique. Et là, je suis désolé, le premier qui me dit là, il m'a pas niqué l'arbitre. Là, je l'explose. Je suis désolé, là, faut pas me prendre pour un idiot. Il n'est pas marqué pigeon sur mon front. Hein.
Il y a les images qui parlent toutes seules, hein. Ils se sont entrechoqués sans faire exprès. C'est un choc intentionnel, hein. Il n'y a jamais péno, même en vrai, il n'y a pas péno là-dessus. Ah bon. C'est pas grave, tant pis, c'est le jeu. Il a décidé de faire gagner le Bayern, bah c'est comme ça, voilà, il faut l'accepter. Allez, à tout de suite. Salut à tous. Bien, alors voilà pour la suite. Ta gueule et ta gueule. Merci. Suivant. Non, mais... Allez, passons à autre chose. Alors. Ouais. On n'est pas au mois de mai. Attendez, je vais juste voir un truc. C'est où? C'est ma carrière. Alors, les objectifs, c'est quoi? Atteindre la phase d'élimination directe. Ah, bah d'accord, c'est ça que tu voulais dire, la phase d'élimination directe. Ok, bon, bah c'est pas grave alors. Si qu'on se fasse arnaquer ou non, bah de toute façon, c'est l'objectif. Bon, bah alors, ça va! Ça va alors, c'est bon. Bon, il va falloir battre Eibar, hein. Allez. Pas possible ça. Bon. Ouais, Gomez. Ah d'accord. Ok. En train de chercher, hein. S'inquiétez pas. Ah bah il y a la porte qui est tout neuf, donc il revient. Bah sinon à part ça, pas de changement. Hein. Ouais. Ah si, le pauvre Gilles, il faut qu'il monte parce que j'ai besoin de lui. Ah, j'ai pas besoin de deux buteurs. Williams, tu dégages. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon comme ça. Allez, c'est parti pour Eibar Athletic Bilbao. Suarez, la frappe. Oh, c'est repoussé, ça sera un corner. Tête, ouais. Frappe d'Iraola. Oh, quelle reprise de volée, c'est dommage. Et non! Arrêtez de me blesser mes joueurs! Putain, mais en plus il vient juste de revenir! Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il vient juste de revenir de blessure, il repart déjà en blessure, mais... Putain... Eh ouais, il est mal retombé à cause d'un joueur de Ibar, merci. Et pourquoi je rends la balle? Non, rendez-la moi, moi. 0, mi-temps, malchanceuse, encore une fois, on n'arrive pas à planter, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça gave. Putain, voilà un truc qui aurait été utile à faire comme dans Football Manager, c'est de pouvoir mettre, tu vois, des consignes d'équipe à la mi-temps. Tu vois, genre par exemple les gronder, leur dire vous avez été nuls, ou s'ils ont fait une bonne mi-temps, ah vous avez fait une bonne mi-temps. Ou s'ils ont manqué de réussite, ah vous avez manqué de réussite, allez en deuxième période, ça va aller mieux. Tu vois, un petit encart, tu vois, en dessous de paramètres, par exemple, tu vois, il y a de la place. Il pourrait mettre ce truc là ou un deuxième menu comme ici là, tu vois, toc toc, tu vois, un truc par là. Mais bon. C'est pas grave. Allez, on y retourne. Ça gave. Ah, ça gave. Là, c'est carrément une erreur de main complète. Une erreur de main complète.
Il aurait pu très bien la dégager correctement. Non, non, non. Bah non. Bien joué à l'adversaire. 1-0. Oui. La frappe, oui! Voilà! L'égalisation méritée! L'égalisation méritée! Bien joué! Bah voilà, enfin un peu de révolte. Bah surtout de la chance. Quelle passe! Et là, le gardien lui aussi s'est trouvé. Tiens, chacun son tour. Chacun son tour, il a. Hop là! Oh, sérieux, bien joué Gomez! Bien les gars, voyez quand vous voulez. C'est pas plus bête que de dire bonjour, tiens. Allez, un partout. Allez, Mounien. Mounien. Le dribble. Oui, il est face. La frappe! Oh mince, il n'y a personne qui a suivi. Oh, merci pour le dégagement pourri. Passe. Oh, le péno! Voilà un vrai penalty. Hein? Monsieur l'arbitre du match précédent, prends note. Ça, c'est un vrai péno. Hein, voilà, on regarde, tu vois, là, il fait vraiment faute. Là, il y a péno, monsieur, je sais pas arbitrer du premier match. Voilà. Pas vrai ça. Bon, allez, on se concentre. Il faut marquer ce péno. Allez, Vieira, oui, contre-pied. Contre-pied. Bien joué. Le contre-pied, ça c'est fait. 2-1. Oh, bordel. Bordel de bordel. Bien joué. Bien joué. Hein, contre-pied. Allez. Bon, maintenant, il va falloir rester concentré parce qu'ils peuvent à tout moment se rebeller. Allons. Bien. Eh ben, voilà. Une victoire méritée. 2-1. Ça a été quand même dur pour l'avoir, celle-là. Hein, parce que, en face, ils sont quand même rebellés. Hein, ils se sont pas laissés faire. Mais on a logiquement gagné. Alors on va aller voir un peu les notes. Gomez, hein, homme du match, normal. J'aime bien, j'ai fait d'autres changements, il ne les a même pas notés. C'est pas grave. De l'autre côté, bah voilà. Et Wolf. Allez, on y va. Bien, bien, bien. Allez. 8 semaines, bah voilà, à peine blessé, à peine machin, il repart. C'est génial. Super. Merci à Ibar de merde. Voilà. Rapport inutile. Ah, mais attends. Alors, le classement. Du coup, ouais, il y a encore un match de retard. Ouais. Ouais. Allez, le Rayo, il faut les battre aussi. D'accord. Là, il y a vraiment des cuits. Alors là, du coup, on est obligé de faire tourner. Barco. Toujours pas revenu, Sousaïta. Oh, tu fais chier. On est dans la merde. Ah là là. Ouais, ça va être très compliqué le prochain match. Putain, ça barre à fond, je peux même pas l'appeler. D'accord. Normal. Bon. Bah allez, on va y aller comme ça. Hein. Ça va être compliqué là, du coup. Mais bon. Allez, tout est possible. Athletic Bilbao, Rayo Vallecano. C'est parti. Bah allez.
Non mais t'es sérieux là? Tranquille. Ils sont passés dans la défense, pépère, ils butent. Dis-moi, Kepa, tu fous quoi là? Tu veux reperdre ta place? C'est ça que tu veux? Parce que là, t'es bien parti pour. Tu couvres mal ton côté. Pourquoi tu fais ça? Tu dois plonger là. Tu dois pas faire ta connerie là. Bien joué à l'adversaire, c'est normal. Il avait qu'à mieux coincer son poteau. Intolérable cette mi-temps. Intolérable. C'est médiocre. Complètement médiocre. Voilà. Quand on n'a pas nos joueurs, voilà ce qui se passe. Voilà. Ça fait peur. On peut pas faire confiance à notre banc. Ça fait très très peur. Allez, on y va. Raola, la frappe d'Iraola. Heureusement que c'est contré parce que je t'aurais pété ta gueule. Une frappe pareille, là, tu méritais que ça. Iraola 2. Iraola 2, corner encore. Iraola. Oh, mais non. Putain. Trois essais, ça veut pas. T'es lol, toi. Oh, tu l'as vu. Benat. Oui, Benat. La frappe trop puissante pour le goal. Enfin, on se bouge le cul. Enfin, il s'enlève les doigts des fesses. Eh bah, putain, il serait temps, hein. Oh oui, qu'il serait temps. Bordel. Enfin. Bien joué là, personne l'attaque, il frappe trop puissant pour le gardien. Il n'a même pas pu intervenir, c'était trop fort pour lui. Ah, c'était trop rapide pour lui. Ah, il a pas pu. Bien joué, Benat. Voilà, égalisation. Se passer. Allez, Torres, oui. Celle des petits, du petit jeune, Torres. Ah non, putain, si elle était passée. Si elle était passée. Bah, tant pis, match nul. Match nul, hein. 2 points perdus bêtement, mais contre une petite équipe. Mais bon, vu au stade, c'est quand même plutôt équilibré. C'est plutôt normal le match nul. Mais dans le contenu, c'est pas normal de faire match nul contre le Rayo. Je suis pas d'accord. C'est pas normal. Mais bon, vu l'équipe que j'ai dû aligner à cause de l'agressivité stupide de l'IA, j'ai perdu trop de joueurs. Donc du coup, bah voilà, hein, il a fallu que je construise l'équipe comme je peux. Donc voilà. Donc là, franchement, c'est bien que l'IA fasse des fautes, plus de fautes, c'est plus réaliste, mais trop, trop de blessures, il y a trop de blessures, trop. On se croirait dans FM, je vous jure, on se croirait dans FM. J'ai l'impression de jouer à FM en fait. J'ai l'impression de jouer comme si je jouais à FM, tu vois. C'est genre au moins tous les 1 ou 2 matchs, tu perds 1, voire 2, voire 3 joueurs. Et des fois, ça peut être la catastrophe, hein. Ça c'est arrivé à mon ami Fabien qui a fini son match à 7. Alors, il y avait eu une expulsion avant, mais il a fini avec 3 blessés, 3 ou 4 blessés en plus. Il avait déjà fait ses changements, alors il a fini à 7. Ah là, il y a trop trop de blessures. C'est même pas réaliste. Même en vrai, il n'y a pas autant de blessures comme ça. Même en vrai. C'est encore, t'as, allez, un blessé dans le match. À moins que, bon, vous allez me dire, oui, mais si t'as vu les matchs de Paris. Oui, mais bon, après, eux, c'est normal. Ils jouent 50 compétitions. Moi, je te parle dans la réalité. Par exemple, tu nous prends, nous, Nice, tu vois. Nous. Voilà, bon, on avance. Tu nous prends, nous, Nice. Un truc comme ça, avec le peu de matchs qu'on joue, c'est pas normal. Ça serait pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Alors que bon, bah par exemple, ça peut arriver à des grandes équipes parce qu'elles jouent plusieurs coupes. Tu vois, le cas de Paris, c'est normal d'un côté, parce que d'un côté, ils jouent. Bah, il reste encore trois compétitions.
Mais à un moment donné, ils avaient énormément de blessures dans le même match, je sais plus lequel c'était. Si c'était quand? Énormément de blessés parce qu'ils jouaient la Ligue des Champions. À ce moment-là, ils jouaient encore la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Ligue 1. Au bout d'un moment, t'es sec, hein. T'es pas une machine, hein. Ça lâche. Mais là, vous voyez, dans ma carrière, les matchs sont espacés, y a pas 36 000 trucs. Mais pourtant, j'ai des blessés tout le temps. Mais tout le temps. Je sais pas. C'est ouf. Alors que pourtant, nous, on joue plus que, allez, deux compétitions. La Ligue des Champions et la BBVA. Regarde ce calendrier. Avec un calendrier comme ça, regardez mon mois de février où j'ai c'est les mois précédents. Regardez les mois précédents que j'avais. Même avec la coupe, j'avais des jours de repos. Mais des jours de repos. Et pourtant, bah, j'ai perdu plein de joueurs, des blessures, mais blessures, 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 alors que j'ai pas un calendrier où t'as par exemple là, Eibar et Rayo, j'ai pas ça toutes les semaines. J'ai pas ça genre là, bon là c'est normal parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais là tu vois, si on enlève le match international, là j'ai du repos de ouf. Même si on nous faisait jouer, regarde, par exemple en avril, voilà, t'as 7 semaines là, puis t'as 2 semaines normales comme ça, c'est pas non plus un calendrier surchargé. Et pourtant, il se blesse. Il se blesse beaucoup, beaucoup trop. Alors, je sais pas si c'est normal, à vous de me dire, mais bon. Je trouve ça bizarre. Alors que pourtant, on joue pas 36 000 compétitions. Hein. Moi, je dis ça, c'est normal pour une équipe qui joue beaucoup de compétitions. C'est normal, beaucoup de blessures. Mais pour une équipe qui joue peu de compétitions, c'est pas normal. C'est là où il y a un problème. C'est soit en vrai, bon, en vrai, ça peut être le médecin, ça peut être le préparateur physique. Mais dans le jeu, dans FIFA, t'as pas le préparateur physique. On te dit que t'as des médecins, mais c'est faux. C'est en fait, c'est tout est géré par un seul truc, l'ordinateur. En lui-même, l'IA. Tu joues pas 50 000 matchs, et pourtant, vous voyez, quand je joue, je fais pas non plus. C'est pas non plus la BU, c'est pas non plus des combats de gladiateurs, quoi. Je vois pas comment ils peuvent se blesser comme ça. Enfin bon, c'est pas grave. Vous allez me dire, oui, mais bon, laisse tomber, c'est comme ça, c'est le jeu. Oui, je suis d'accord, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Bon, allez, la prochaine fois, Real, Almeria et Celta Vigo, et on se mettra là pour la fois suivante. Ouais, vous allez me dire, non, mais bon. Te plains pas trop, parce que bon, bah, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Oui, je suis d'accord, il faut l'accepter. Donc là, vous voyez le rapport d'équipe, hein, en même temps, on papote. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut l'accepter, c'est comme ça, le jeu il est fait ainsi, il faut jouer le jeu, hein, c'est comme ça. C'est gavant de perdre autant de joueurs comme ça normalement, mais bon. Voilà, c'est tout. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est dur à dire, c'est très énervant, mais c'est comme ça. C'est ça. Voilà, oui, normal, Alcacer, c'est normal qu'il ait pris des moins 1 avec sa blessure, mais bon, il était à 80, maintenant il est retombé à 79. Vous voyez, ça me gave, tu vois, ça me gave ça. C'est bien, ça progresse, c'est cool. Bon, allez. On va se calmer un peu et puis ben ça se passera mieux, j'en suis sûr, la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, un commentaire, un pouce bleu. Bon, soyez un peu indulgent, hein. Vous comprenez que ça m'énerve un peu de perdre autant de joueurs. Je comprends que ça vous embête, hein, que je me plaigne, mais bon. Quand même, faut bien qu'on puisse communiquer, donc je vous communique mon exaspération pour le taux de blessure un peu trop élevé. Voilà. Allez, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, Facebook, hein, les liens sont dans la description. On se retrouve pour de prochaines aventures. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Salut à tous.